L'intensité des combats ne faiblit pas en Syrie, rendant l'accès aux informations toujours compliqué. Ce vendredi, les affrontements les plus violents se sont produits dans la banlieue sud de Damas, avec des bombardements menés par l'armée de Bachar al-Assad sur des positions tenues par les rebelles. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une ONG proche de l'opposition, il y aurait plusieurs dizaines de victimes. Autre zone de combat, Alep, dans le nord du pays. Soldats loyalistes et insurgés se disputent le contrôle de plusieurs académies militaires. Ailleurs dans le pays, d'autres bases de l'armée sont également le théâtre de combat. Pour les civils, les conditions de vie sont de plus en plus précaires, avec des difficultés pour s'approvisionner en nourriture et en carburant. Selon le Programme alimentaire mondial, 1 million de personnes seront victimes de la faim cet hiver. Et les organisations humanitaires disent avoir de plus en plus de mal à accéder aux zones de conflit.